Les gars, bienvenue à Port Gentil. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un nouveau vlog. Un nouveau vlog, les gars. Où ça? Où ça? Où ça? À Pog. Pog gentil, s'il vous plaît. C'est la première fois que je viens ici. Je suis arrivée hier aux environs de 18h, 19h. Par là, il faisait déjà tard. Et donc, j'ai pas fait grand chose. Donc, j'ai trouvé un hôtel pas mal. Ça s'appelle l'hôtel Crest, si je ne me trompe pas. Je me suis réveillée tranquille. Je me suis douchée. Là, je vais essayer d'aller prendre un petit déj. Vu qu'apparemment, cet hôtel ne propose pas de petit déj, je ne comprends pas pourquoi. Donc, il y a une pâtisserie pas loin du coin. Donc, j'irai là-bas. J'irai voir si je peux me prendre un petit déj vite fait avant de débuter la journée. Donc là, nous avons la chambre que j'ai déjà épuisée. Elle est assez grande quand même, regardez. J'aime bien, c'est simple. Donc là, nous avons le bureau, simple, sympatoche. Il y a le petit frigo que je ne vais clairement peut-être pas même utiliser. Il y a le grand écran qui rend pas mal du tout. Mais il n'y a pas de chaîne. Il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est à revoir. Donc, là, nous avons les rangements. La douche, bon, on va pas dire que c'est pas mal, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà quoi, c'est à Port Gentil, je sais pas s'il y a mieux, je sais vraiment pas. Je suis en train de me préparer. J'ai porté ma petite robe de Shein, ma petite robe bleue d'été que j'aime bien. Ici, on n'a pas de miroir plein pied, donc là, je suis obligée de vous montrer ça comme ça. J'espère que vous allez voir toutes les manières vous connaissez cette robe. Donc, c'est ça mon programme de ce matin. Je vais vite redéfinir mes boucles. Allô, encore parti. Allô est parti encore. Non, c'est ça le problème. À peine j'arrive, il y a déjà des petits problèmes comme ça. Maintenant, je fais comment pour redéfinir mes boucles? Ouais, je vais faire juste un petit chignon vite fait. Je vais juste brosser un peu. Qu'à Port Gentil, il y a pas mal de mon coin ici. En plus, j'ai regardé sur TikTok. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des endroits sympas. J'ai tellement envie de me prélasser à bord de la plage, de siroter mon cocktail. J'ai tellement envie de manger la bouffe locale. Non, j'ai tellement envie de goûter plein de trucs en fait. Mais bon, on est là jusqu'à jeudi. Donc, on va essayer de faire un max d'activités pour l'instant. On prend un petit déj d'abord parce que j'ai grave faim. J'ai pas bien mangé hier. J'ai même quasiment pas mangé. J'ai mangé une viande vite fait hier. Avec la banane, c'était bon. C'était super bon, mais c'est vraiment pas ce que je voulais manger hier soir. Mais bon, j'ai quand même mangé. C'est le plus important. Je suis prête. Ok, guys. Pas gentil, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai l'impression que ici, je peux vlogger comme je veux. Libreville, mon Dieu. Déjà, dès que je sors avec mon téléphone comme ça, on me dit non, faut pas garder le téléphone dans la main, pas garder le téléphone dans la main. Mais ici, j'ai l'impression que c'est calme. C'est calme, c'est pas ghetto comme elle pèse. Quand j'ai. Hey, Seigneur. Regardez ma boulangerie. On m'a conseillé une boulangerie, on m'a dit de venir ici. On va aller voir. Hein. Bonjour. Est-ce qu'on mange sur place? Non, on mange pas sur place.
Il n'y a pas une grande boulangerie quelque part? Ce serait bizarre de vous demander. Là, il y a de... Feu Total. C'est quoi le nom? Juste le Feu Total, je connais pas le nom. Merci, on tourne. Ok. Bon, du coup, je peux pas manger clairement là. Bah, parce qu'il n'y a pas de place assise. Donc, ce que je vais faire, c'est aller. Elle m'a dit c'est au Total ou je sais pas quoi là, il y a un endroit pas loin. Et je vais faire ça, je prends le taxi et je vais y aller. Hein, je sors de la boulangerie là, je finis de manger. C'est un sympa. Maintenant je me rends au grand village. Enfin ce petit, c'est un marché de Bourgentil. C'est un marché Bourgentil. Je crois que c'était petit village, mais apparemment petit village, c'est pas un petit, c'est un marché également. Mon pote se rend là-bas, j'ai pris un taxi qui m'a très bien orienté. Voilà, je vais chercher une petite sandale là-bas. Le truc, c'est que je ne voulais pas repartir à l'hôtel parce que je sais que faire les allers-retours en Corée, c'est compliqué. Chaud. Et ma chaussure. Vous pouvez pas aussi vous rincer les yeux, juste regarder. Pourquoi avoir envie de voler? Laissez les autres faire. J'essaie. Merci. A few moments later. Ok guys, j'espère que vous allez bien, je me suis bien posée, là je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, j'ai même eu le temps de regarder un film vite fait pour attendre l'heure parce que là je suis en train d'aller au restaurant Le Cocorico. J'ai vu ce restaurant là en venant, j'ai pas mis le floutage là. Et je me suis dit ce serait vraiment sympa d'aller voir, ça a l'air sympa le cadre. Et voilà quoi, donc je me suis apprêtée, j'ai porté une jolie petite robe de chez Shein que j'aime beaucoup. Voilà, la matière est vraiment très sympa. J'ai une petite robe verte comme ça avec mes mules et mon petit sac blanc comme ceci. Voilà. Après, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être je vais sortir, peut-être aller prendre un verre ou je sais pas trop quoi. Parce que là, il fait déjà 17h, 18h. Et ici, en fait, c'est pas chaud. Je sais pas, je suis peut-être venue à la mauvaise période. C'est pas chaud, c'est pas mouvementé comme LB. Normalement, c'est à LB où je dépensais toute mon énergie. Mais apparemment, ici, je me suis dit, je vais enjoy ma life en fait. Mais apparemment, c'est pas trop ça. Hier, par exemple, on a cherché des endroits où on pouvait aller prendre un pot et tout. Mais c'était pas évident parce que tout était fermé. Je sais pas. On m'a dit que c'était lundi. Que les lundis, voilà, c'est pas trop ça. Que les gens sont allés au taf et qu'ils sont fatigués. C'est un peu comme. Marseille, c'est presque pareil. À partir du samedi soir, dimanche, il y a vraiment du monde en fait. Mais sinon, tout au long de la semaine, tu peux avoir juste les pubs mouvementés. Pas trop ça. C'est vraiment pas trop ça. Mais enfin, pour une nana qui sort pas beaucoup, que je m'en fous un peu. Mais là, j'aimerais vraiment enjoy et tout, profiter de ma vacances, sortir, même si je n'ai pas l'habitude de trop sortir. Pourquoi pas? Donc voilà ce qu'on va faire et puis on va enjoy hein, tout simplement. Comme se mettre bien quoi, juste un peu, franchement juste un peu, juste pour rafraîchir mon visage, juste un petit peu là. Et ça fait grave longtemps que je ne me suis pas maquillée, je vais essayer de faire un petit truc mignon là. Juste un peu. Je me suis salie. Non, je me suis pas salie. Non, je me suis salie. Oh non, je me suis salie. Mais... Je me suis un peu tournée là. Ça, c'est pas un problème.
Voilà. Quand je vais sortir le soir, je vous montre un peu ce que ça a donné. Je ne me suis pas maquillée de fou, mais j'essayais de... Et là, je vais utiliser mon parfum, mon dupe de Black Opium de Théona. Je vous avais parlé déjà de ce parfum à mon blog préparation. Que ça, ce parfum, c'est... C'est une tuerie sur vrai. Je ne sais même pas si c'est une marque reconnue, mais je vois. Ce parfum, vas-y. Même mon nouveau parfum, je l'ai partagé. Mon parfum de Valentino que ma tante m'a arraché là. J'ai même pas eu trop mal. J'ai dit à partir avec, j'aime. Le parfum là, c'est bon, mais pas aussi bon que mon truc de Black Opium, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Nous sommes le troisième jour. Hier, je suis bien rentrée. Je vous ai même pas fait un petit récap, mais c'était sympa l'endroit. J'ai pas eu du temps là-bas. Je finis de manger, je prends ma boisson et puis voilà, je suis rentrée. Déjà pratiquement 11h. Hier, je me suis apprêtée comme ceci pour aller à Sagara. Sagara, je sais pas, on m'a dit c'était une plage qu'il fallait en fait les traverser pour aller dans les îles et tout. Je vais aller voir ça. Donc, c'est ça notre programme d'aujourd'hui pour l'instant. Je sais pas ce qu'on va faire après, mais voilà. Bon les gars, je suis arrivée à Sagara. Non, à Sogara. Ils m'ont fait comprendre que c'est pas ici, là où se trouvait l'endroit où on fait la traversée. Donc, j'ai été déjà partie. J'ai fait l'aller-retour. Là-bas, apparemment, vu que on est mercredi aujourd'hui, il n'y a pas de personnel à la baie de je ne sais pas quoi, squelette ou je ne sais pas quoi là. Donc du coup, comme il n'y a personne, Logan nous a proposé que ouais, je peux vous faire la traversée si vous voulez, vous faire un peu visiter la baie, les îles, etc. Ce sera à 30 balles. J'ai dit quoi? 30 balles ma gueule? Alors que j'ai prévu genre 3000, 5000 pour ça. J'ai dit c'est bon, vas-y, il n'y a rien. En fait, moi je voulais faire la traversée pour aller prendre un verre là-bas, pour aller enjoy, tu vois, un peu le mood quoi. Bon, comme c'est pas possible, j'ai dit bon, ok, mieux je viens là où j'étais là. Donc, ici, au bord de la plage et tout, je veux manger quelque chose, je veux boire quelque chose, je veux profiter de la vue, même s'il n'y a pas assez de monde. En fait, c'est à partir du week-end qu'il y a du monde. Là, il n'y a pas du monde parce que voilà, c'est un jour. Ce sont les jours ordinaires et il y a presque personne en fait. Donc voilà, un peu changement de programme, mais on restera grave, c'est vraiment pas si grave que ça. Je vais toujours profiter, c'est bizarre comme ça. Je vais toujours profiter, je vais manger, j'ai grave, enfin je vais même pas manger de la matière en fait. Je sais pas ce qu'ils proposent ici, je vais cuisiner des pizzas, mais je sais pas si je me sens de manger une pizza maintenant ou de manger un truc léger. Bon, donc voilà. Du coup, là où je vais m'installer, je vais vous faire un peu le petit tour. C'est vraiment un petit endroit sympa. Oh là là. Le bord de mer, ça m'a tellement manqué. Tellement manqué. En même temps, à Marseille, on est aussi le bord de mer, mais... Oh, vous comprenez quoi? Vous comprenez? Voilà un peu, je vais m'installer. Là-bas, c'est le resto et tout. Donc, elle est sèche comme ça. C'est un peu sympa. C'est vraiment sympa en fait. Ok guys, on est au bord de mer en train de se prélasser. J'ai fini de manger, j'ai même pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Tellement la flemme, j'avais trop faim, je vous ai dit, j'avais trop faim. J'avais trop faim. J'ai mangé une salade gourmande qui n'était pas, c'était pas trop ça. Je pense qu'on paye la vue, hein. Sinon les salades là c'est pas vraiment trop ça. Donc j'ai fini de manger. Et maintenant, j'attends juste ma boisson. Je reste encore un peu calée là.
juste le temps de savourer cette belle vue là. Cette magnifique vue là, s'il vous plaît. Donc voilà, après je vais bouger quoi. C'est pas le week-end. Et le week-end, normalement, c'est mouvementé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, nous sommes un jour ordinaire et c'est vraiment pas trop ça. Même au niveau cuisine, au niveau activité, je pensais même qu'on pouvait faire des activités ici. On peut pas faire de traversée parce que c'est un jour ordinaire. Ils ne font que les traversées à partir de vendredi, comme je vous ai dit, parce qu'il y a le personnage, le personnel à la baie des coquillages. Il n'y a rien du tout, en fait. Vraiment, franchement, il n'y a rien. Il y a juste ce bar-là qui est ouvert. Et un menu pas très 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 varié du tout. Là j'ai même pris un truc vite fait là parce que j'avais grave faim, hein, j'avais beaucoup faim. Et voilà quoi, je me suis pris une boisson, j'ai pris l'orange là parce qu'il n'y avait pas de cocktail. Le plus souvent, moi je me déplace pas si c'est pour mieux boire encore des boissons gazeuses ici là en fait. Mais bon, on fait avec, on est venu de si loin, pas pour rien. On va profiter au max. Et voilà quoi. Oh mon dieu, juste cette sensation, le fait de respirer l'air de la plage, c'est tellement savoureux, c'est tellement agréable. Oh mon dieu. C'est pas comme ça, tu vas pas t'asseoir comme ça à Marseille, hein, où on peut se prélasser comme ça. Mais peut-être qu'il y en a, hein, mais c'est juste comme moi, la votre colline. Moi je bouge pas, donc du coup je connais pas trop. Dans ma boisson, je sais pas si elle a reçu la commande. Bref, on profite au max. Voilà, voilà ce que j'aime pas à Port-Gentil. Le sable. Le sable. Oh, on peut pas sortir propre de la maison. Il y a toujours le sable. Le sable. Le sable. C'est comment? Oh, il y a des bateaux partout. On dirait un garage à bateaux. Bon les gars, je suis arrivée, c'était vraiment pas loin de l'hôtel. C'est une maison, ils ont transformé en fait leur terrasse en petit restaurant africain. Il n'y a rien de chic ici, hein. Franchement rien de chic, je vais vous montrer. C'est comme ça. Comme ça. Et là, j'aime trop. Et là-bas, c'est une famille, mais bon, c'est la maison de quelqu'un, donc on ne peut pas montrer. Mais c'est un peu ça. Je me suis mise là parce que il y a le vent de la thermo, il fait trop chaud. Donc voilà. J'attends la nourriture. Apparemment, c'était encore prévu. J'ai commandé à boire. J'ai commandé un Fanta orange. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu de Fanta orange. C'est grave. Et même que depuis que je suis arrivée, j'ai pas bu de Fanta orange. Ma petite sœur Adam m'a conseillé tout le temps de prendre le Gino complément, Gino complément, Gino complément. Donc c'est pour ça que je bois. Donc, bonjour. Les gars, voici ce que je mange, le porc-pic dans son jus. Avec le manioc. Ça a l'air trop bon. Oh là là. Regardez comment il est. Et puis le plat, il est tellement copieux. C'est un truc de fou. C'était moi, bon appétit. La salade hier là.
Le bon manioc. Oh. Regardez juste le morceau de la viande. Oh mon Dieu. Ça me fait bien chaud. Longtemps que j'ai pas mangé un truc comme ça. Est-ce que je vais manger tout ça? Later. C'est l'heure du départ. Je sors de l'hôtel, là je vais prendre mon taxi pour l'aéroport. Termine notre vlog à Port-Gentil. Même si on n'a pas fait grand chose, les gars, moi ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous plaira. On se dit à la prochaine pour une future vidéo à Elbeuf, bien sûr. Bisous! Mouah!